Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission de l'AFF, mesdames, demoiselles et messieurs. Et cette émission de l'AFF de ce soir reçoit en émission spéciale M. Raoul Lugamba, qui est entrepreneur, secrétaire de Amani Forever. Raoul est aussi écrivain et étudiant en droit à l'université de Kinshasa. Raoul Lugamba, bonjour et bienvenue dans l'émission de l'AFF. Merci, bonjour monsieur Georges Mungilwa. Voilà, lorsque nous vous avons présenté, on a annoncé aux téléspectateurs que vous êtes entrepreneur. Est-ce que on peut déjà savoir dans quel secteur vous entreprenez? Oui. Tel que vous l'avez dit, nous sommes entrepreneurs, nous entreprenons dans le secteur de l'agriculture et aussi l'élevage. Voilà, vous êtes entrepreneur dans le secteur, excusez-moi, d'agriculture et aussi l'élevage, c'est ça? Évidemment. Et ça fait combien de temps depuis que vous êtes dans ces activités? Il y a cela 3 ans que nous vivons dans le secteur de l'agriculture et cela 2 ans que nous vivons dans le secteur de l'élevage. Et l'on peut dire que c'est rentable quand même, hein? La rentabilité est en fonction de ce que vous aimerez. Nous pouvons affirmer qu'il est rentable de vrai dans le secteur de l'agriculture et aussi de l'élevage. Voilà, je crois que nous parlerons un tout petit peu plus de cet aspect, l'entrepreneuriat. Une dernière question pour qu'on parle d'autres choses. On aimerait savoir jusque-là, depuis que vous entreprenez, est-ce qu'il y a eu déjà certains Congolais, ou s'il faut savoir leur nombre, combien de Congolais qui ont déjà eu à bénéficier de ces services hein, que vous rendez à la nation? Oui, comme étant une activité personnelle, nous pouvons affirmer que jusque-là, nous avons 4 à 5 personnes qui œuvrent dans ces services d'entrepreneuriat. Donc c'est une petite entreprise qui fournit de services, mais aussi de biens à la population congolaise, en particulier celle de la population de Mongafula. Est-ce que vous avez aussi des stratégies qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'élargir cette activité? Bien que ça engage certains Congolais 2 à 3, ce chiffre n'est pas encore celui, je pense que c'est lui dont vous cherchiez. Que prévoyez-vous pour que ce secteur soit élargi jusqu'à ce que vous puissiez arriver au niveau d'engager plusieurs Congolais? Il est important de dire que l'État congolais est en train d'œuvrer pour mettre en place des mécanismes qui vont fournir de la force, mais aussi de moyens à la jeunesse de s'épanouir. Cela n'empêche pas le gouvernement de nous épauler de manière à ce que les idées que nous avons portent cher. Ce qui revient à dire, s'il y a des moyens qui sont conséquents, nous saurons comment organiser la jeunesse que nous sommes de manière à ce que toute la population congolaise et une grande majorité de la population de Mongafula soit desservie en desserte agricole et aussi en produits vivriers. Donc l'objectif pour Raoul, c'est que l'entreprise se limite tout simplement au niveau des Mongafula. Vous savez, pour un début, il ne faudrait pas d'abord viser plus grand que nos yeux. Il faudrait d'abord voir comment émerger là où nous sommes et ensuite voir comment s'épanouir au-delà de notre champ d'action. Et si le gouvernement suivant maintenant prenait la décision de vous accompagner, est-ce qu'il serait le bienvenu? Le gouvernement est toujours bienvenu dans nos œuvres, parce que vous savez, le premier champ de bataille du gouvernement, c'est de donner une bonne vie aux gouvernés. Et nous ne sommes ni gouvernants, nous sommes gouvernés. Mm-hmm. Ce qui revient à dire, si le gouvernant nous met de moyens à notre disposition, nous saurons comment œuvrer pour rendre la vie facile à ceux qui sont en difficulté. Merci beaucoup de répondre à ces questions liées à la première partie de notre émission. Je crois qu'on devrait aussi parler de Amani Forever, parce que vous y êtes
le secrétaire. Oui, bien évidemment, comme je viens de dire, nous sommes secrétaires de la fondation Amani Forever, qui œuvre dans les services philanthropiques ou encore des services caritatifs. Les services philanthropiques, je vais Caritatifs, dire. philanthropiques ou caritatives, nous venons à la bienfaisance des personnes qui sont en situation défavorable. Voilà. Ok, d'accord. En plus de ça, vous êtes également écrivain, Raoul Elougamba. Voilà, partant. Vous êtes en train de vouloir mettre en place une œuvre, c'est ça? Un livre. Comment est-ce que vous l'intitulez? Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à écrire ces livres? Voilà. D'abord, à la première question, celle de savoir comment s'intitule le livre, nous l'avons nommé La jeunesse face à l'avenir, entrave et réussite. C'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qui nous motive d'écrire ces livres? Nous devons savoir ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. C'est la raison de nous. Si nous avons rédigé cet ouvrage, c'est pour permettre à toute personne en situation défavorisée, gouvernant et étudiant, de s'acquérir des situations, de rendre un avenir radieux à la population congolaise qui souffre depuis des décennies de la détérioration de la vie sociale. Monsieur Raoul Lougamba, savez-vous ou comprenez-vous la grandeur de ce que vous êtes en train de vouloir mettre à la disposition des Congolais? Parce que parler de la jeunesse face à l'avenir, entrave et réussite, on a l'impression que vous avez quand même eu à énumérer les différentes difficultés auxquelles la jeunesse fait face. Oui, en tant que jeunes, nous avons conscience de toutes les péripéties que traversent les jeunes pour atteindre la réussite ou le but ultime, celui de s'épanouir dans la vie. Vous savez, tout au long du processus de la jeunesse, nous rencontrons des péripéties, nous rencontrons des difficultés qui nous entravent à atteindre notre dessein, qui est celui non seulement de s'épanouir, mais aussi d'être dans une situation favorable et une situation qui pourrait permettre à la République d'aller un peu plus loin qu'avant. Et en bref, que prévoit votre ouvrage comme étant solution pour que la jeunesse puisse aboutir à la réussite? Dans l'esprit, bien évidemment, de votre livre intitulé La sagesse face, la jeunesse, c'est ça? Oui, bien Face à évidemment. l'avenir, entrave Et et réussite. réussite. Alors, que faut-il pour que la jeunesse aboutisse à la réussite? Ce qu'il faudrait, il faudrait d'abord cerner les questions qui gangrènent la jeunesse. Quels sont les problèmes qui butent la jeunesse pour ne pas s'épanouir? C'est d'abord la question qu'il faudrait se poser avant d'apporter des solutions. Nous devons comprendre que la jeunesse a des difficultés qu'elle rencontre. Entre autres, cerner c'est qui est jeune. Aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre qui est jeune. Assez souvent, des personnes qui sont âgées, mais pour des fins peut-être politiques ou de positionnement social, se déclarent jeunes. Et c'est là entrave ceux qui sont réellement jeunes de s'épanouir. Qui est jeune selon Raoul Lougamba? Nous n'allons pas répondre selon Raoul Lougamba, mais nous allons répondre selon la charte africaine de la jeunesse. Il faudrait comprendre, celui qui est jeune, d'après la charte africaine de la jeunesse, c'est toute personne qui nage entre la moyenne de 15 ans à 35 ans. Donc, une personne qui nage entre 15 et 35 ans est appelée jeune d'après la charte africaine de la jeunesse. Donc le militant de parti politique à 50 ans qui œuvre dans des partis politiques, qui sont présidents des ligues des jeunes, ne serait pas dans ce département de la jeunesse, selon ce que vous venez de dire. D'après ce que nous venons de dire, c'est là. Une personne est jeune d'après la tranche de 15 à 35 ans. Donc à 40 ans, on n'est pas jeune. On n'est pas jeune, mais l'on parlera de l'état d'esprit de jeunesse.
Donc, c'est une nuance qui s'impose sur la dichotomie entre le jeune et la jeunesse d'esprit. Alors, parlons de la réussite de ces jeunes qui se situent entre 15 et 35 ans. Voilà, la réussite de ces jeunes qui se situent entre 15 et 35 ans est d'abord celui de connaître ses droits. Lorsque vous connaissez vos droits, vous pouvez le prévaloir. Et c'est ce qui gangrène. Assez souvent, il y a de ces personnes qui ont 16, 17 ans, 18 ans, mais qui nagent encore dans l'aberration. C'est quelque chose qu'il faudrait retirer de capacité cognitive de nos frères qui sont jeunes. C'est la raison de notre venue ici présent. Monsieur Raoul, est-ce que vous avez, en parlant d'entrave ici, vous n'avez parlé que du gène de la jeunesse, mais vous n'avez nullement évoqué la part ou la responsabilité des dirigeants ou des autorités quant à cela, quant à l'échec, parce que quand vous proposez un livre sur l'avenir de la jeunesse, c'est comme si vous sous-entendez que si vous n'y faites, si vous n'y vous, vous n'en tenez pas garde, il y a risque que l'avenir de cette jeunesse soit gâché. Je pense que là, je suis dans l'esprit de votre livre. La question que je me pose, après avoir parlé de l'aberration de certains jeunes, est-ce qu'il y a une certaine part de responsabilité de dirigeants congolais quant à cette situation? Effectivement, vous savez, le gouvernement a la politique de mettre en place les œuvres qui profitent d'autant plus à la jeunesse, mais aussi au peuple. Ce qui revient à dire que la jeunesse fait partie du peuple. Et la jeunesse représente le futur radieux d'un peuple. Nous avons évoqué au deuxième chapitre, parlant de la politique de la République démocratique du Congo, dans la prise en charge et la réinsertion sociale. Dans ce deuxième chapitre, nous évoquons, avec les idées du professeur Bienvenu Mouchy Kouabou, qui parle grandissimement grand de la réinsertion sociale comme étant la réintégration des personnes qui sont en situation défavorisée ou en situation qui est en conflit avec la communauté. Qui sont les personnes en conflit avec la communauté? Les personnes qui sont en conflit avec la communauté, c'est d'abord les personnes un peu appelées Koulouna. Comment arriver au Koulouna? Assez souvent, le Koulouna sont des personnes qui soit n'ont pas grandi dans des familles qui ne les ont pas mis dans des conditions favorables, où la situation économique de la famille les a poussés à arriver à ces destins. Que doit faire l'État congolais? L'État congolais ne doit pas agir seulement en amont, mais aussi en aval. Ce qui revient à dire, nous devons d'abord établir une planification familiale, de manière à ce que, pour une personne ayant un revenu à un certain nombre, ne peut pas exacerber à avoir autant d'enfants que ses moyens, tel que vous pouvez le constater dans d'autres essieux, comme nous appelons le mimétisme culturel. Au Japon, il est difficile de voir un pauvre ou une personne ayant un revenu un peu en dessous de la moyenne d'avoir plus de trois enfants. Mais limiter un citoyen à ne pas, je peux dire, générer selon ses consentements, n'est-ce pas, à mettre en difficulté la démocratie congolaise? Vous savez, il est un peu compliqué de mélanger la démocratie avec la planification familiale. La Parce que ça touche à la liberté, liberté, effectivement. bien évidemment, vous savez, la liberté, elle doit être garantie au nom de la démocratie, mais la liberté ne doit pas exacerber aux intérêts de la République. Ce qui revient à dire, l'État doit établir des lois en communion avec sa population, de manière à ce que l'État congolais doit dire, nous savons tous, il y a une certaine année, on a sorti comment dirais-je,
le revenu moyen de la population congolaise à 3 dollars. Vous vous imaginez une personne qui gagne 3 dollars doit nourrir 6 enfants. Dites-moi, combien de dollars sera réparti à chaque Monsieur enfant? Raoul, est-ce que la solution serait de limiter le nombre, je ne sais pas les termes, de natalité ou carrément demander au gouvernement d'améliorer les salaires des agents ou d'améliorer la condition de vie des citoyens? Toutes ces questions sont aussi utiles, mais il faudrait un peu être pragmatique, mais aussi essayer un peu de les classer d'après l'opportunité. Ce qui revient à dire, lorsque nous disons le salaire de tout un chacun, c'est vrai, vous pouvez avoir un salaire exorbitant, mais lorsque vous avez un nombre d'enfants qui est aussi grandiose que vous n'avez pas un contrôle sur ces enfants, il est difficile de donner de l'éducation à ces derniers, ce qui revient à dire, si l'on devrait limiter le nombre de maternités, soit à chaque père et à chaque mère, cela reviendrait à faciliter la vie commune. Nous devons savoir, plus le nombre de la population est exorbitant, plus le nombre de la criminalité est exorbitant. Voilà, il s'appelle Raoul Lougamba, étudiant en droit, secrétaire de Amani Forever, entrepreneur, mais aussi écrivain. Alors, on doit devoir évoluer, très cher Raoul. Est-ce qu'il y a d'autres points concernant votre livre que vous n'avez pas eu jusque-là à expliquer aux téléspectateurs pour qu'on passe à un autre chapitre? On devrait aussi parler de l'actualité. Voilà, nous suggérons aux autorités d'avoir une politique un peu publique-privée, ce qui revient à dire les autorités de l'État doivent aussi consulter les actionnaires ou encore toutes ces personnes, donc les personnes de droit privé qui œuvrent dans les secteurs publics dans l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous avons à l'égard de la BNCE, le bureau catholique, mes excuses. La BNCE, donc, je disais, la BNCE qui, le Bureau national catholique de l'enfance, Ok. la BNCE, le Bureau national catholique de l'enfance, qui œuvre dans la restitution sociale des enfants en situation défavorisée, mais aussi bien de fondations qui œuvrent dans ces secteurs. Plus vous avez des enfants dans la rue, plus vous avez le phénomène Kulina, plus vous avez l'activisme comment dirais-je, de la drogue bombée, plus vous avez l'immigration clandestine. Si chaque parent devrait encadrer ses parents, Ses enfants plutôt. c'est plutôt si chaque enfant devrait être encadré par ses parents d'une manière respectueuse, cela éviterait qu'il y ait des dérapages. Et si l'État congolais doit intervenir en amont, dans des conditions prénatales, ou encore favoriser ce qui est autrefois que l'avortement, cela nous éviterait dans la société d'avoir des enfants non désirés. C'est vrai que cela paraît un crime pour d'autres, mais cela doit être aussi compris comme étant la sécurité de la population et de la nation. Plus nous avons de nombre de personnes que nous n'arrivons pas à contrôler, plus nous avons la criminalité. Merci beaucoup, Raoul Lougamba. Je crois on doit fermer ce chapitre lié à l'ouvrage, votre livre intitulé La jeunesse face à l'avenir, Entrave entrave et et réussite. réussite. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, on poursuit l'émission. Cette fois-ci, nous allons essayer de parler ensemble avec Raoul. On parle de ce qui concerne la vie chère. Actuellement, sur les marchés, le prix hausse chaque jour. Il y a la dégradation de la monnaie locale, le franc congolais, qui subit la frappe terrible face au dollar américain.
Je sais pas, monsieur Raoul Elougamba. Aujourd'hui, le panier de la ménagère est complètement vide. Le panier de la ménagère de la femme congolaise, en fait. J'ose croire que vous l'avez également constaté. Alors la question que nous vous posons, c'est de savoir qui sera responsable pour que les choses arrivent à un tel niveau. Bon, nous ne serons pas en train de jouer au jeu de ping-pong où nous allons commencer à nous jeter les pieds à tout un chacun. Mais d'abord, tout le monde doit assumer sa responsabilité. Ce qui revient à dire, la population doit arriver à assumer sa part des responsabilités, mais aussi le gouvernement doit assurer sa part des responsabilités. Vous avez une panoplie de problèmes qui se posent sur l'inflation au sein de la République. D'une part, vous avez la corruption, d'une part, vous avez encore le manque de productivité, ce qui revient à dire. Lorsque l'État congolais ne produit rien, cela va impacter sur la vie chère des Congolais. Ou lorsque l'État congolais arrive à produire et qu'il y a de la corruption, cela impacterait à la vie sociale des Congolais. Nous allons d'abord suggérer à l'État congolais de prendre des mesures draconnières du égard de toutes ces personnalités politiques qui s'abusent dans des aventures, dans des manigances qui gangrèneraient la République. Nous avons eu à voir tout au long du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, président de la République, avec le procès de 100 jours et toute la suite de procès qui se suivent. Cela a eu à permettre à la République de récupérer quelques gains et cela a eu à édifier la population congolaise, à savoir que les biens de l'État ne sont pas nos patrimoines, mais ne sont pas notre propre patrimoine. Mmh. Et que lorsque nous sommes au service de la République, nous devons œuvrer pour la République et non pour nos propres intérêts. D'une autre part, chacun de nous doit avoir connaissance de ce qu'il est en train de faire. Vous ne pouvez pas rendre la vie chère à vos concitoyens, puis par après pleurer aux responsables du pays de ranger la situation, ce qui revient à dire. Lorsque nous produisons un bien, nous le mettons en service. Il y a une marge bénéficiaire que nous devons respecter. Il y a une marge bénéficiaire que nous devons respecter, quitte à la police économique de s'en charger, de manière à ce qu'il n'y ait pas des abus pour ne pas tomber sous le choc de l'inflation. Mais aussi, il faudrait réduire le train de vie des institutions qui gangrènent la République. C'est quelque chose que nous avons eu à décrier hier. Aujourd'hui, nous n'espérons pas que ce soit éternel. Merci beaucoup, Raoul Elougamba. Mais avant qu'on boucle complètement cette émission, j'aimerais vous poser une avant-dernière question, parce qu'il y en aura une autre. Étant natif de Mongafula, Monsieur Raoul, est-ce que vous pouvez dire ici que vous êtes également bénéficiaire des travaux mis en place, d'infrastructures mises en place par le président de la République dans votre fief? Nous ne pouvons pas rester ingrats eu égard des efforts que fournit le gouvernement, partant des écoles, des routes, partant de toutes les difficultés que nous rencontrons, les événements de 2022 avec la coupure de câbles électriques de la SNEL qui a provoqué des morts, des mamans, des pères et des enfants, mais aussi les érosions qui ne cessent de nous déranger. Nous saluons les efforts du gouvernement, mais aussi nous appelons à l'autorité de veiller à ce que le projet aboutisse. Vous savez, aujourd'hui, la population de Mongafula est butée à ce qu'on appelle à une difficulté de se procurer de l'eau. Au XXIe siècle, il est aberrant de constater que la population doit crapahuter dans la cité pour se procurer de l'eau. Mais dans l'état antécédent, nous avons eu à avoir de l'eau en 2020-2021. C'est vrai qu'il y a eu des incidents. Nous ne voulons pas avoir des potentiels candidats à revenir avec des projets de la population comme étant le leur. Venir comme étant des salvateurs ou venir encore comme étant des héros pour nous ramener ce qui était autrefois
l'impossible au possible. Nous appelons les autorités politico-administratives de bien veiller au retour de l'eau potable au sein de la communauté de Mongafula, mais aussi à la construction de la voirie de Mongafula qui va jusqu'en Djili Brasserie. Cela permettrait d'éviter les embouteillages qui gangrènent la route nationale numéro 1. Vous appelez le gouvernement à ériger une route de ce côté-là? Bien évidemment, vous savez. Donc ça va d'où jusqu'où? La route nationale, le point d'accès entre l'entrée Matadimayo et Njili Brasserie, c'est plus ou moins, je peux estimer à 20 ou 30 km. Ce qui permettrait d'économiser non seulement en temps, mais aussi en argent pour les entrepreneurs. Donc ça servira des routes secondaires, des routes secondaires. Ce qui va nous permettre d'économiser en temps, mais aussi en argent. Et ça va nous éviter des embouteillages. Et n'est-il pas possible que vous puissiez noter tout ce que vous dites là, parce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'écrire officiellement aux autorités, vous qui vous lisez? Oui, il est possible d'écrire aux autorités, c'est une mesure administrative, mais il faudrait savoir la mesure populaire d'atteindre les personnalités politiques, d'atteindre les dirigeants, c'est aussi aux médias, comme ici, chez Mbella et Peuple. Nous sommes sans ignorer que les autorités vont bien nous entendre et prendre en considération, d'autant plus la voirie, l'eau et aussi l'ouvrage que nous sommes en train d'écrire pour le Kuluna, les étudiants et le gouvernement pour prendre conscience de l'avenir radieux que nous devons avoir au sein de la République. On devient une personnalité politique lorsqu'on pense à la génération future. Chère autorité, quelle est la vision que vous avez pour la génération future? Est-ce le présent ou un présent sans futur? Vous seul, vous avez la réponse dans vos actes. Cette émission est complètement terminée, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci parce que vous avez été nombreux à nous suivre. Merci à vous, Raoul Lugamba, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci, monsieur Georges Mundoulou. Merci beaucoup à vous. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.